Nous devions façonner ce monde. Notre terre, allègrement rasée par la météorite nommée Apophis, nous devions la reconstruire. Mais un homme s'y est opposé. Nicolas Rain. Un seul bouton a suffi à mettre fin à notre monde. Les arches ont émergé. Les écopodes ont dégringolé, encore immatures, déversant la vie sur des terres nues, relançant le cycle de la vie, comme nous avions prévu de le faire avec notre propre espèce. Notre monde est mort dans l'œuf, à cause de cette populace, naïve et arrogante. Le nettoyage de notre espèce affaiblie a été entravé. Notre aide a été égoïstement refusée. Ils ont préféré leur piètre existence à l'avenir de la race. Quelle vanité! Ils nous ont cru vaincus. Nous les avons laissés y croire. Mais nous avons œuvré en secret. Nous avons vu leurs chamailleries, leurs insignifiantes petites guerres, leurs tentatives puériles de tirer l'ordre du chaos. Et nous avons grandi. Notre science, notre expertise, tout était aligné. Tout n'avait qu'un objectif. L'élimination chirurgicale des faibles. L'humain, nouveau. Nous broyons leurs défenses. Nous prenons leurs enclaves. À nous, les arches. Ce soir, nous rasons leurs camps et leurs baraques. Ce soir, c'est le début de la purge. Ce soir, c'est la renaissance de l'autorité. Qu'est-ce qui se passe dehors? Rien de bon. On ferait mieux de se préparer et d'y aller. C'est l'heure, hein? Ouais, prends tes affaires. C'était quoi ça? Sécurise la porte. Putain, Lily, il était pour moi. Faut être plus rapide que ça, Walker. Lily, c'est un peu la seule famille que j'ai. On a grandi à Vineland, élevé par sa mère, sergent instructeur. Moi, je suis orpheline. J'ai pas de mère. T'inquiète, il y en a plein d'autres encore. Je te l'ai dit, c'est l'assaut final. Ok, alors on fonce dans le tas. Allez, on y va. Les chiffres, c'est pas mon truc. Walker, rejoins-nous dans la cour. Tout de suite. Jersey est mobilisé pour avertir les autres camps. Ils doivent être informés. Ça doit pas rigoler, alors. Je viens d'entendre ça à la combox. C'est la plus grosse attaque qu'on ait jamais eue. Je déconne pas. Alors on y va. On va aller chercher une jolie médaille.
Satan dans la cour. C'est là que ça castagne le plus. Il se remettra pas avec un pansement. C'est à moi de jouer maintenant. L'armure est à moi. Eh ben, va... Putain, maman va te crucifier pour avoir touché à de l'équipement de Ranger. Oh, il y a encore plein de petits bouts de jersey là-dedans. Ouais, mais c'est notre seule option. Oh, ouais. C'est encore mieux que ce que je pensais. Jamais enfiler cette armure. Je me demande bien pourquoi. Quoi? T'es jalouse, Lily? Bah ouais, pas qu'un peu. J'aurais été la plus jeune ranger de l'histoire. Sans ces conneries de nano triple. Thank you.
secondes, Walker en approche. Chère tante Prolet, héroïne de guerre décorée, ranger, modèle, surtout pour Lily. Elle m'a recueillie à la mort de mes parents. La mère la plus vache qu'une orpheline sauvage puisse souhaiter. Walker, au rapport, viens là! C'est l'armure de Jersey. Jersey. Ils l'ont tué. Si t'es assez brave pour porter son armure, tu pourras aussi faire son boulot. C'est quoi ce bordel? J'ai jamais vu un truc aussi gros! On va pas le rater! Impossible! Mais je l'ai tué! Le général Cross! Je veux la première génération! Tuez tout le reste! Le général Cross, chef maléfique de l'autorité maléfique, notre croque-mitaine. Une histoire pour faire peur aux pestes comme moi. Je sais pas si Prolet est devenu dingue ou si elle a raison. Mais peu importe. Dans tous les cas, je le laisserai pas faire. Reste ici! Je te donne un ordre! Attention! Lâche-moi! Sale pourriture! Tiens bon! C'est bien toi. Je pensais épargner les premiers Archéens pour faire des expériences. Mais pour toi, je vais faire une exception. En l'honneur du bon vieux temps, Irvina. Oh,
Après tout, c'est grâce à ton impuissance que je suis encore en vie. Bon, essayons de relancer ce truc. Dégagez! Attends! Putain! J'étais plus dans les vapes! Ouais, je sais. Mais ta jolie armure avait besoin d'un bon coup de jus. Alors c'est tout. C'est tout ce qui reste. À peine 20 survivants. On déblaye encore les ruines. J'ai vu Prolet. Croissy. Il l'a tué. Il a tué ma mère. Je sais pas comment. Mais on doit les arrêter. Et je tordrai moi-même le cou de ce sale petit enfoiré. Toutes ces histoires sur le retour de l'autorité. J'y ai jamais vraiment cru. Eh ben si. Et on doit y faire quelque chose. Maman savait quoi faire. Les Rangers aussi. Une minute. Ils avaient des fichiers, des rapports. Et ils les gardaient dans le Presidio. Le QG des Rangers? T'es malade. Y a que les Rangers qui ont le droit d'y aller. Regarde-moi, Lily. Je suis le dernier Ranger. Oh merde. Mais ouais, t'as raison.